m'appelle Michael Delaroche et je représente aujourd'hui la société Avencall, qui est éditeur en fait du produit Xivo. Ouais. Alors, déjà très rapidement, Xivo, en fait, c'est une plateforme de communication basée sur Asterisk. Donc on en reparlera, c'est assez important dans la présentation, et qui fournit donc une plateforme de services de communication, de téléphonie, de centre de contact et de communication unifiée. Donc aujourd'hui, Avencall, Asterisk, j'en parlais tout à l'heure, en fait, Xivo est basé sur Asterisk. Alors Asterisk, peut-être que ça vous parle. C'est une plateforme, en fait, une boîte à outils de communication, de téléphonie, mais purement en dev. Donc avec un écran noir et des lignes blanches, donc peu intuitif, avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses, mais peu intuitif et assez compliqué à administrer, à gérer au quotidien. Donc en 2005, Xivo, la société Proformatique, a créé la solution Xivo, basée sur Asterisk. Alors c'est la première collaboration qu'il peut y avoir entre justement une grosse société américaine qui aujourd'hui représente à peu près 450-500 personnes, et une toute petite société de 5 personnes françaises. Alors, ça, faut le dire aussi, petite parenthèse, hein, ce qui facilite les liens entre les deux et la collaboration, c'est que les deux développeurs de la solution, les deux créateurs de la solution, sont des amis d'enfance. Donc ça a facilité un petit peu la collaboration. Proformatique donc, a créé Xivo en 2005. Très compétente sur toute la partie dev, sur toute la partie produit, mais peu de compétences sur toute la partie commercialisation, communication. Donc c'est pour ça qu'en 2009, la société Proformatique et la société Avencall se sont réunies avec une vraie volonté établie en 2010 de devenir intégrateur et éditeur de la solution et en 2012 de créer son réseau de développement, déploiement. Donc en termes de chiffre d'affaires, on est sur une évolution à deux chiffres depuis 5 ans, depuis la création. Forte croissance. Donc en quelques chiffres, aujourd'hui, donc en 5 ans, on a créé 52 emplois sur un marché qui a plutôt tendance à en supprimer, hein, malheureusement. Donc une croissance à deux chiffres également depuis 5 ans, j'en ai parlé. On a aujourd'hui quasiment plus de 100 000 même utilisateurs, que ce soit chez nos clients, chez nos partenaires, mais également sur la communauté. Avencall aujourd'hui a une forte communauté avec Xivo qui est générée et qui est, on va dire, assistée par Avencall. Et donc ça génère beaucoup d'utilisateurs, mais également beaucoup de déploiements via la communauté. Le réseau de partenaires, j'en parlais tout à l'heure, ça représente à peu près 60 partenaires en France et à l'étranger. On a à peu près en propre 500 clients. Alors, la solution Xivo, elle est, on va dire, configurée sur 4 briques. Une brique purement liée à l'utilisateur, puisque ça reste un outil de téléphonie, donc l'utilisateur est le plus important. Mais aussi sur la partie administrateur, parce que l'objectif c'était de sortir un peu de toutes ces solutions propriétaires assez compliquées et assez lourdes à gérer au quotidien. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir simplifier et de rendre beaucoup plus intuitif la solution de téléphonie. Et deux autres briques qui sont la collaboration, la communication unifiée et la notion de relation client. Et c'est ces deux briques-là aujourd'hui qui vont nous intéresser plus particulièrement parce que c'est vraiment sur ces deux briques-là où on a eu cette approche de collaboration avec des sociétés françaises dans l'open source. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment et pourquoi on a choisi ces deux solutions et ces deux sociétés. Alors, notamment sur la partie collaboration, sur ces deux sociétés, Altic et BlueMind, aujourd'hui, on a vraiment deux approches un petit peu différentes. Avec BlueMind, on a une vraie approche de communication, de stratégie commune et de, on va dire, d'approche complémentaire. C'est-à-dire que BlueMind, je pense que vous les connaissez aujourd'hui, hein, ils sont assez bien présents, eux interagissent sur toute la partie messagerie et outils de collaboration sur la partie mail. Nous, on interagit sur la partie téléphonie. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu constater sur la demande du marché, c'était vraiment d'avoir un seul outil pour répondre à l'ensemble de ces besoins. C'est vrai qu'une fois qu'on a parlé de la messagerie et de la téléphonie, en termes de communication dans une entreprise, on a répondu à quasiment 100% des besoins. Donc l'idée, c'était, on reste une société de 50 personnes, donc c'était de ne pas refaire l'histoire et de ne pas développer une solution de messagerie. BlueMind le fait très bien. Aujourd'hui, on a clairement le même ADN. Hein. BlueMind, c'est une société française, éditrice de logiciels open source. Nous,
également. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir une approche commune sur les mêmes bases et la même stratégie pour répondre ensemble à un marché et à un besoin du marché. Donc avec Bloomen, aujourd'hui, on a une approche vraiment dans les médias, dans la communication, vraiment commune. On reste deux sociétés bien différentes, mais on a vraiment une approche commune. Avec Altic, aujourd'hui, c'est un peu différent. Avec Altic, on travaille plus ensemble sur du back-office, avec du développement commun, pour répondre à un besoin sur la relation client. C'est-à-dire que contrairement à Bloomen, on ne va pas faire de communication ensemble, mais on se sert par contre de la compétence et de l'expérience d'Altic sur des solutions type Kibana, Elasticsearch, hein, qui sont aujourd'hui assez reconnues, pour l'intégrer dans notre solution et pour du coup développer des fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour nos clients. Donc deux approches complètement différentes, mais par contre avec une volonté vraiment commune d'avoir choisi deux acteurs qui sont sur la même stratégie et le même ADN que qu'Avencall. Donc juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Justement, plus particulièrement sur la démarche d'Altic, donc aujourd'hui, ce qu'on a pu constater par rapport au marché purement centre de contact, c'était que les grosses solutions propriétaires arrivaient et imposaient leur façon de voir les choses et leur approche. Nous, avec la vision open source, on est arrivé sur une approche un peu, enfin, complètement différenciante en se disant, OK, aujourd'hui, vous avez un besoin, les solutions ne savent pas forcément y répondre, mais nous, par contre, on va pouvoir s'adapter et comprendre comment vous fonctionnez pour y répondre. Donc, pour y répondre, il y a trois axes, principalement opérationnels. Là, on va toucher aux ressources internes et l'organisation interne de la société. Quelle solution mettre en place pour piloter, pour avoir des indicateurs, c'est bien de mettre des choses en place, mais c'est inutile si jamais on ne peut pas les piloter et avoir du reporting dessus. Donc, Altic nous a aidé justement à, via Elasticsearch et Kibana, à développer tous ces rapports, à coupler les métiers, l'ASI avec les rapports téléphoniques pour justement apporter ces solutions-là à nos clients. L'autre point, c'est là que ce métier, qui est très souvent oublié, on va dire, dans la notion de centre de relation client, c'est l'expérience client. C'est qu'est-ce qui va faire que votre client va être content, va se sentir valorisé lorsque lorsqu'il vous appelle, lorsqu'il appelle le centre de relation client d'une banque, d'un assureur ou d'un revendeur d'informatique sur Internet, typiquement LDLC, j'en parlerai également tout à l'heure. Et bien évidemment, pour intégrer tout ça et pour déployer tout ça, il y a les compétences d'intégration, le tout sur une plateforme Xivo. Donc vraiment, le message, c'est de s'adapter aux organisations et de ne pas demander aux organisations de s'adapter à notre solution. Et donc justement, comment on arrive à s'adapter? C'est en unifiant vraiment le poste de travail. Avant, il y avait vraiment la solution de téléphonie, la solution informatique. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une seule vision, une seule interface pour tout piloter, pour que l'agent puisse en un seul clic savoir qui l'appelle, combien d'appels, quel chiffre d'affaires ça va générer, et de pouvoir également en temps réel donner la possibilité aux donneurs d'ordre et aux clients de pouvoir avoir une vision sur combien d'argent ils gagnent par appel. Comment on y arrive? Et c'est là où on a vraiment travaillé avec Altic, c'est que Altic nous a donné la capacité de prendre en main les données métiers liées aux données téléphoniques, que nous, on maîtrise parfaitement bien, et donc de pouvoir coupler tout ça à travers des tableaux de bord, des rapports statistiques, des tableaux croisés dynamiques, l'exploration des données, pour ressortir des tableaux vraiment en temps réel, pour pouvoir superviser et savoir si le nombre de ressources est suffisant, si au contraire il faut adapter. Améliorer le service, mettre plus de personnes à certains endroits. Donc, le choix de ces solutions, il n'est pas anodin, hein. C'est vraiment d'avoir une approche vraiment commune sur les mêmes besoins et sur la même approche du marché. Alors, on parlait tout à l'heure d'open source, de gains financiers, etc.
L'avantage de cette approche-là, c'est qu'on arrive vraiment à être différenciant et à pouvoir valoriser notre produit et du coup vendre plus cher, puisque ça permet à nos clients de gagner des marchés. Et donc du coup, ce qu'ils vont dépenser finalement, ça va être un retour sur investissement et c'est au contraire une forte valeur ajoutée. Donc ils vont être prêts à dépenser plus pour justement gagner plus de projets et être différenciants par rapport à nos clients. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les différentes interactions qu'on avait pu avoir avec différentes solutions et entreprises du marché open source. Ouais, alors c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on a. Bah, vous pouvez parler avec différents de nos clients. C'est vrai qu'on a Meritis avec qui on a travaillé ensemble. C'est vrai que ça paraissait, on va dire, presque naturel, même si ce n'est pas fait forcément en claquant des doigts, bien évidemment. Mais oui, voilà. Je parlais tout à l'heure de BlueMind. Meritis, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a le même ADN. On est une société française, open source. Donc c'est logique finalement qu'on travaille ensemble, à la fois sur l'intégration du produit, mais aussi dans le quotidien, sur des événements. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on est ensemble sur le même centre, parce qu'on a une vraie complémentarité. Et on répond à des besoins différents, mais pour les mêmes clients. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, avec BlueMind, quand on arrive chez un client et qu'il y a déjà du BlueMind, bah, l'intégration avec Zivo, c'est tout naturel. Meritis, on peut y envisager exactement la même chose, et vice-versa. S'il y a du Xivo, intégrer du BlueMind. Et c'est vrai que à la fois, il y a une complémentarité au niveau technologique, mais il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, on va dire une réponse business qui est vraiment voilà, être deux fois plus présent avec en ayant exactement la même approche. Voilà. Et du coup, avec Meritis, c'est aussi ce dont il faut qu'on parle pour avancer dans cette approche-là. Il y a déjà des sujets qui sont en train d'être creusés. J'ai raté le début de la présentation, je m'excuse, mais j'ai compris qu'il y avait une solution de CRM intégrée. Alors après, en Solution fait. de contact, comment vous connectez avec, enfin, quand vous dites c'est du click to call ou des choses comme ça, non? Oui. En fait, après, enfin, l'avantage justement, interopérabilité, c'est le mot, on va dire, qui ressort le plus souvent dans l'open source. Mais oui, en fait, en effet, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était Là, ça. ce slide-là, en fait, qui va répondre plutôt à vos besoins, c'est la solution qui s'adapte à l'organisation métier. C'est-à-dire que c'est, contrairement à des solutions toutes faites sur étagère vraiment propriétaire, la solution va vous imposer sa manière de travailler. Nous, on va avoir une approche un peu enfin, complètement différenciante, c'est qu'on va comprendre comment vous travaillez pour adapter la solution et répondre à vos besoins. Donc tout à l'heure, vous parliez de click to call, vous parliez d'annuaire, etc. Oui. On va comprendre quel annuaire vous avez, on va comprendre quel CRM vous avez pour s'intégrer et intégrer la téléphonie dans votre existant. Et en effet, pour arriver à des interfaces comme celle-ci qui permettent à la fois d'avoir bah, les statistiques depuis une interface, d'avoir la fiche client depuis cette interface, tout ça lié à la téléphonie. Et après, on est capable d'aller. En fait, finalement, la seule limite qu'on va pouvoir avoir, c'est l'imagination, finalement, qu'on va pouvoir se donner et le coût qu'on aura associé. Mais de la même manière, ce que tu parlais, Romain, tout à l'heure, sur co-développement, développement interne, etc., ça, de la même manière, c'est des choses qu'on va envisager. C'est-à-dire que, OK, on a un retour client qui permet de dire, ah, ou plusieurs clients qui disent, bah, moi, j'ai tel besoin. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore implémenté dans la solution. On va faire communiquer ces deux clients et puis les faire échanger pour qu'ils co-développent, enfin, pour qu'ils co-financent en tout cas la solution. Ou sinon, si on va voir qu'il y a un réel intérêt pour la solution, on va nous le financer. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Si un client, typiquement un donneur d'ordre d'un centre de contact, enfin, un outsourceur plutôt, pour gagner un projet enfin, qui va lui rapporter 1 million d'euros, bah, la fonctionnalité à développer coûte 50 000, bah, il va tout de suite voir la différence. En ce moment, on est en train de travailler sur un POC avec Total, sur de l'innovation, avec de la reconnaissance biométrique. C'est-à-dire que via la téléphonie, via Xivo,
la personne en fait va s'identifier par téléphone. Nous, on va véhiculer la voix et automatiquement, cette solution-là va reconnaître la voix qui va ensuite autoriser ou non la personne à avoir accès au service. Enfin,